Les électrons exercent une forte attirance sur les protons. Si on bombarde donc le noyau avec des protons, les électrons qui se trouvent à la périphérie de l'atome attireront probablement ces protons et les arrêteront. Si on utilise des électrons, les électrons extérieurs de l'atome d'uranium les repousseront probablement avant qu'ils n'aient atteint le noyau. Par contre, si on emploie des neutrons, les électrons ne les attireront ni les repousseront. Les neutrons pourront atteindre le noyau, celui-ci est cependant tellement petit que seuls quelques neutrons arriveront au but. Si un neutron touche le noyau, celui-ci ne se contente pas de se séparer en de nouveaux noyaux, mais il libère un certain nombre de neutrons. La réaction enchaîne. Celle-ci se produit à une vitesse incroyable. Si elle n'est pas contrôlée, elle peut provoquer une formidable explosion. Comme cela se produit d'ailleurs dans une bombe atomique.